Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes en élimination, nous sommes toujours sur Antarctique, nous sommes avec Mei, Hanzo, Genji. Autrement dit, une équipe de vainqueurs, je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien, hein, on verra bien. En tout cas, ils ont les niveaux qui vont avec, ce qui veut dire qu'ils ont un tantinet joué au jeu et il vient quand même de louper. De louper. Hop. Oh, t'es sérieux? Oh, ah, j'ai des champions avec moi. Oh, j'ai des champions avec moi. Oh. Oh non! On s'est auto-gelé, quoi. Enfin bon, j'ai des champions avec moi, c'est cool. Oh, bah génial, il reste avec. Bon, bah c'est pas la peine, hein. Je suis avec deux champions. Je suis avec deux champions. Alors, on va profiter pour parler du MMR, chers amis, du coup. Les matchs de placement, je les ai faits. Je suis à 1700 quelque chose de cote. Et en fait, il faut savoir que ça prend, en fait, tout simplement la moyenne de votre cote précédente. Le temps que vous avez passé, en fait, dans la précédente saison. Et qu'ensuite... C'est très simple, ça vous ajoute jusqu'à à peu près une cinquantaine de points en avant ou en arrière pour vous dire à peu près ce que vous avez. Voilà, bonjour. Oh bah voilà, là ils ont fait le café, bien joué. Donc voilà, je pensais avoir un reset de MMR, mais du coup, je peux toujours pas... j'ai dit de MMR ou pas quoi qu'il en soit, oui, je pensais avoir un reset de MMR et finalement, je n'en aurais pas. Je n'en aurais pas du tout, ce qui fait que... je vais continuer devoir jouer avec des gens en groupe, en gros groupe, pour espérer tomber sur... Oh merde, c'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait que j'appuie sur la touche saut. Ah bon? J'aimerais bien savoir où alors. Oh! Hop! Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Mais ils sont où mes copains? Mais ils sont où mes copains? Ah d'accord. Ah bah ça va être génial encore comme combat. J'aurais pas dû prendre de snipe. Qui c'est que je vais prendre? Qui c'est que je vais prendre? Qui c'est que je vais prendre? Hop, on va faire ça pour le fun. Hein. Donc ouais, au niveau des classements, je suis encore une fois assez dégoûté. Hein. Pour vous dire, je vais peut-être vous l'avoir mis en début de... En début de commande d'épisode, j'ai fait un match où j'avais 5 médailles d'or avec Faucheur. On l'a perdu, hein, forcément, hein, vous en doutez. Bah, je suis mort, moi. Et bah oui, voilà. Merci, les copains. Merci de jouer en équipe. Putain! Bon bah c'est pas grave! Oui, vas-y Hanzo, vas-y, 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 vas-y. Voilà, rect. Hanzo. Hanzo pour vous, chers amis.
Hanzo qui n'arrive pas à one-shot la Ana. Hanzo qui n'arrive pas à faire son job. Mais bon, c'est pas grave. Ah d'accord, et en plus. Ah non, je croyais qu'ils étaient dans le même groupe. Mais non, mais non, mais non. Ok, c'est cool. Bon, allez, on se casse. On repart. Ouais, donc non, 5 médailles d'or. Autrement dit, je tombe sur des groupes vraiment sympas. C'est vraiment cool. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'excuse de... Enfin, là, le seul moyen donné par Blizzard pour améliorer son MMR, chers amis, c'est de racheter un compte. Racheter un jeu. Oui. Si dans 6 mois, ils nous ont pas mis un reset MMR à 5 euros sur le sur le shop, je comprends pas. Parce qu'ils veulent tellement se faire du pognon sur le dos des gens que c'est incroyable. Bah, enfin bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, je suis ravi de voir que je suis pas le seul à trouver la communauté toxique. Hein. Vous avez tous répondu dans les commentaires que la communauté était de plus en plus toxique partout, que ce soit sur PC ou sur console. C'est ce qui est atrocement triste. Et encore Hanzo. Attention, 3, Hanzo. Allez, Hanzo. Allez. Allez. Allez, Hanzo. Ah non, il a pris Genji. Waouh, truc de fou. Bah écoutez, bah j'aurai son bras. Désolé, j'ai pas eu le temps de choisir. Hop. Oh, le clic droit. Oh, il était propre. Bon. C'est pas grave. Allez, on y va. Non, j'aimerais... Putain, mais je trouve pas... Voilà, Reaper. Putain, je trouvais pas Reaper, quoi. Non. Oh putain! What? Est-ce que je peux... non, zéro aide. Zéro aide. 80% des combats se passent dans les bâtiments. Zéro aide. Ah putain, ça m'énerve. Oh bah bien. Ah, suicide, bien. Bien. LR qui dit ça alors que j'étais tout seul sur le combat. Bon. Suicide. Enfin bon, c'est pas grave. Ce serait bien, ouais, que... Putain. On n'est pas aidé, hein. Ah! T'aurais pu le faire sur moi, ton heal? Penses-tu? Bah non, pourquoi faire? J'ai tenté le grab, mais c'est pas parti. Pas marché. Oh, bah oui! Oh, mais c'est pique! C'est pique! C'est pique qui me pique! 5 heures sur Fatal et... Oh, j'ai pas vu le main. Le main? Qui est le main? Le main Torbjörn! What?
Je suis tout seul. Je suis tout seul. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux avoir de l'aide? Tellement de aim. C'est dommage que ce soit à moi de tout faire. Pff, 250 points de dégâts. Bonjour. Ah putain. Ah il va me saouler. Putain mais où est-ce qu'il est? Nom de Dieu, tu me saoules. Espèce d'archer. points en headshot quand même. Je veux pas dire, chers amis, mais c'est un poil trop violent. Anna, elle fait que 80 coups par tir et elle a pas de headshot. Je suis désolé. Et encore, 80 coups sur les points de santé. Oh là 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 là. Oh, puis il a les Golden Weapons sur Torbjorn. Ce qui ne marche pas, malheureusement, sur les tourelles. M'en fous, moi ça me charge mon ulti, hein, encore une fois. Hein. Hop, parfait, merci. Merci. C'est bête, t'as loupé ton occasion de faire un headshot. Hop. Ah, j'ai un colis chronopost. Le 6. Le 6, c'est quand? C'est demain. Ok, d'accord, ok. Bon. Oui, Noël arrive, chers amis. Il faut commencer à acheter des cadeaux. Hop. Bon. Bah, j'ai tout fait. J'ai tout fait, c'est lui qui a... Alors, qu'est-ce que c'est que son action? D'accord. Ok, bon. Why not? Why not, why not? Bon, bah j'ai tout remonté. C'est pas grave. Tout le monde s'en fout. On va essayer d'en faire une, chers amis, quand même. Je sais pas si j'ai le temps. Oui, je dois avoir le temps. Si c'est la durée 5 minutes. Oui, oui, ça fait 10 minutes d'épisode. Donc je devrais largement avoir le temps. Alors. Qu'on puisse avoir une ou deux boîtes. Qu'on puisse avoir une ou deux boîtes. Est-ce que vous, tu veux bien? Alors pourquoi il y a 20 secondes à la fin? Hop, on y va. Parce qu'il reste plus que quelques heures pour avoir les boîtes de la semaine. Mais comme j'ai perdu la foi... Comme j'ai perdu la foi, je me dis que... Cool. Cool, cool, cool. Bah dans ce cas-là, je vais prendre... Je vais prendre un pic dangereux. Je vais prendre un Macré. Je vais prendre un pic dangereux et on va suivre le Rodog.
Oh la vache. Oh la vache. Ok, bon. Bon, tant pis. McTard! What the fuck? Oh, bah tiens! On n'est pas là pour faire de la vitesse, hein. Vous êtes sérieux, il vous en faut autant de temps pour... Hop! Le mec se permet de me critiquer, quoi. C'est vraiment une communauté toxique à mort. Putain. Parce que dire un retardé, retarde, c'est pas un retard qui est en retard, c'est un mec qui est attardé mental. Et ben voilà. Hop. Mais non, pourquoi tu vas comme ça? Pourquoi il fait YOLO? Hop. Merde. Merde. Putain, je suis mauvais. On est en train de le... Hop, voilà. Bah dis donc, c'est pas le Rodoc qui fait le boulot. 312, bah dis donc, il serait peut-être temps d'apprendre à jouer. Pour un mec qui a 26 heures sur Rodoc. Moi aussi je peux être toxique. Et moi je suis toxique en vidéo, chers amis. C'est encore mieux. Je deviens tout vert et... Alors on m'a expliqué que...
Hop. Hop, et de 1. Et de 2. Ah, quel dommage, je voulais donner un coup de poing. Ah, bon. C'est quand même moi qui ai fait 80% du job. C'est vrai que c'est écœurant quand c'est toi qui as l'action de la partie et que... Voilà. Qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là? Enfin bon, c'est pas grave. Bon! Victoire! Crac. On a une boîte, on va aller ouvrir la boîte pour voir si on a de la chance. Hop. Alors l'événement de Noël devrait pas tarder à arriver, chers amis, je pense, hein. On est le 5, il reste 20 jours. On n'a pas grand chose de sympa là-dedans. On a ce tag là qui est pas moche, hein, faut le reconnaître. Ça qu'on avait déjà. Et une célébration absolument laide. Ok. Pour un personnage que je n'utilise pas. C'est pas grave. Élimination, on va en faire une. Je pense que ce sera notre dernière. Et potentiellement, on pourrait peut-être aller voir, chers amis, ensuite dans d'autres parties. Sur les autres modes de jeu, ça pourrait être sympa de changer un petit peu. J'aime bien ce mode parce qu'il met en avant quand même un petit peu le skill. Du coup, c'est pas mal, je trouve. Mais bon. Après, c'est sans pour autant être... un des meilleurs choix du jeu non plus pour autant. De jeu pour autant. J'ai envie de changer. On va essayer de ce pic là. Weapon Lord. Qu'est-ce que t'as pris, Weapon Lord? Ok, pourquoi pas. Ça fait un groupe équilibré. Hop. Aidez-moi! Oh merde! Oh! Oh! Oh, puis c'est lui en plus! Ah! Oh, ah, quelle horreur! Ah, bah, si, c'est les trois que j'ai en face, c'est les trois que j'ai déjà eu avec moi! Ah, bah, ça va être rect tout le temps! Non, on n'a pas choisi les bons pics dès le départ. Off. On va essayer ça comme ça. On verra bien. Advienne que pourra. Hop. Quelle heure il est? Il est 10h30? 10h20. Oh, je suis con, ça marque en haut. Ok, j'ai encore deux vidéos à tourner derrière. Je suis tôt le matin, le lundi. J'ai des raisons de me lever. Je suis pas d'accord avec ce pic. Je suis pas du tout d'accord avec ce pic. Il y a personne devant dans l'escalier. Oh putain! Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Bon, c'est pas grave, c'est le mur de glace. De toute façon, on va se faire rect, c'est pas grave. Voilà, il attend. Donc on a un mec qui est en super... Ah bah vas-y, Picrodog, vas-y, t'as raison, vas-y, si je suis si mauvais que ça, on va bien voir. Je t'en prie, reste coincé derrière. Non!
Non! Oh putain! Putain, mais y'a personne pour qu'il se... Hop, rect, voilà. Ah oui, t'es un bien meilleur. Hop. Bon, j'ai rien dit. Par contre, j'ai pas vu comment t'as fait pour te retourner à cette vitesse. Ulte pas. Attends d'abord son grab. On va bien voir. Là, ça va être un combat dantesque, pardon. Je m'en doutais qu'il allait être au-dessus. Voilà, il. Oh, quel dommage. Tu viens de foirer complètement. Parce que là, il va balancer son ulti bêtement. Oh bah dis donc. Ça a pas dû jouer à grand chose, hein. S'il avait pas foiré son ulti, s'il avait pas foiré son grab, il t'est baisé. Ah vas-y, continuons comme ça, écoutez, si ça passe. Mais honnêtement, le grab du... Bon, enfin bon, je vais rien dire, parce qu'apparemment il est meilleur que moi, il a l'impression d'être meilleur que moi. Jusque là, il fait ce qu'il a à faire, c'est vrai. Mais, pour ce que j'en ai vu moi personnellement, c'est surtout de la chance. Mais bon. Qui sommes-nous pour juger ? Ah, je peux pas l'annuler. Hop. Hop. Descends. GG. GG, GG. Bon, effectivement, apparemment, il est possible qu'il soit un meilleur Rodok que moi. Je reconnais. Peut-être beaucoup plus d'heures que moi dessus aussi. Ah, il a 10 heures. Moi, j'ai à peu près que 5 heures sur mes personnages, chers amis. Hein. Je joue à peu près tous les personnages du jeu possible et imaginable. D'ailleurs, apparemment, certains d'entre vous ont apprécié mon gameplay de Sombra. Sur une... C'était sur quoi? C'était sur King's Row. Donc bon. Hop, voilà. Merci. Hop. Hop, voilà. Celle-là, c'est moi qui l'ai eue. Hop, bon. Ah bah c'est pas plus mal qu'il prenne cher. Ça me dérange pas. Par contre, ça fait deux fois qu'il a la plus haute game avec lui. C'était sur quoi? Ah ouais, bah utile. Ah oui. Entra qui attendait que la mort vienne. Enfin bon, niveau XP, on en fait combien? 1003? Ouais, d'accord, 2K3. Ok. On va aller ouvrir notre coffre, et on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Alors. Oh bah, rien dedans. Que les trucs que j'avais déjà. Ok, bon. Ouais, bah écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo!